journalisme nous apprend à ne pas être ennuyé. On peut très bien raconter des choses sérieuses de façon vivante, intéressante. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, les madames de l'Europe Gade Émission. Nous sommes très contents qu'on ensemble avec aujourd'hui à l'émission 5 qui c'est Didi Show, The Number One TV Show avec moi-même qui c'est Jean-Baptiste Frenzy. Donc, nous, caillons invités à Bétionville, c'est bien David Sarai Christ, c'est un invité extraordinaire. Et je dis à nous, avec plaisir, pour être capable d'inviter ça dans pile belle question pour poser, un pile bel sujet. Donc, rebrochez, nous allons tourner dans la petite pause. Mesdames, Messieurs, nous comptons en pile pour nous ensemble avec invité ça qui c'est David Sarai Christ. Merci parce que vous acceptez de participer avec nous à l'émission Didi Show. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Bonjour et bonsoir à vous, nous qui regardez nous normalement. Et moi, j'étais vraiment content de participer à l'émission Didi Show. Merci. Donc, Sarai, qui sont en premier les relevés dans le cabane? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on bosse? Est-ce qu'on a le téléphone? Sont fait exactement en premier? D'abord, je me lève pour prier et je prends le téléphone. Et après, je vais aller ok, très bien, très bien. Qui l'a joué? Ah, moi, j'ai 19 ans. 19 ans, son petit monde? Les gars qui étaient pas bon. Qui l'a préféré? Bon, avant de me ça veut dire son jeune au bâton. Voilà. Oh, très bien, très bien. Et en plus, l'invité qui a eu un plat spécial, mais ça a été quelque chose qui venir à lui-même, lui. Bâton. Ok. Qui est-ce que vous préférez? Volleyball. Volleyball. Oh, très bien. Sauf que vous pensez que j'ai pas les pifs pour vous fanatiques qui attendent vos pifs. Bien. Qui animal préférez? Chien. Ok, vous remettez un chien. Qui type de garçon vous remettez? Waouh! Si tu regardes son mais c'est un bon. Non, après tout, 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 célib. Ok. Qui est-ce préféré? Jalousie. Jalousie. Avec préservatif ou sans préservatif? Avec préservatif. Avec préservatif. Entre temps, ça veut dire que j'aimerais vous faire un petit bagage sans préservatif. Oui, voilà. Mais on toujours make sure que un peu de fois qu'il y a un préservatif dans le bagage. Oui, pas vraiment. Oh, mais sans préservatif. Oui. Je comprends. T'as l'air de vous pas de comprendre une question? Non, je comprends. Avec préservatif ou sans préservatif? Avec. Parfois, on fait avec lui, parfois, on fait sans lui. Voilà. Ok, ok. À quel âge vous faites le premier ménage? Parce que vous avez 19 ans. À 18 ans. À 18 ans? Vous faites le premier ménage à 18 ans? Voilà. Très bien. Voilà. Donc, si invité à la vérité, non capable ça parce que nous allons faire une enquête. Voilà. Si invité à tout le monde, si, on va voir. À quel âge perdu virginité? 18 ans. À 18 ans. Est-ce que ça arrive déjà ou bien deux ménages à la fois, deux ménages en même temps? Oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ok. Est-ce que ça arrive ou faire l'amour avec deux ménages le même jour? Non. Ok, ok. Très bien. Là, on fait jalousie. Qui genre ça manifeste la carrière? Ou est-ce que vous y wash? Est-ce que vous parlez un pile qui sont fait là? On fait jalousie. Comment ça manifeste? Ben, moi, je dois souhaiter normal. Mais pas comme si c'était scandale. Non, moi, je dois souhaiter. Ok. Est-ce que c'est arrivé? Vous faites un bagarre avec exo? Soit sexe, soit boîte exo. Est-ce que c'est arrivé? Non. Ok.
Ok. Combien ex vous passez dans la vie déjà? Ok, un seul ex. Ok. Quel genre de gémissement vous gagnez, les wap fait bagaille? Ou bien, qui est spécial à vous-même? Oui, mais pas plus. Ok, d'abord vous-même, combien de fois au monde a supposé faire bagaille dans une semaine? Deux fois dans une semaine. Ok, ok. Qu'est-ce que vous pensez de 14 février? Parce que il y a un pile monde qui aimerait fêter 14 février. Qu'est-ce que vous pensez de date ça ou même? Son date que je parle. Son date que vous parlez, mais pour qui ça? Parce que Si vous avez un message, vous avez un ex ou qui message que vous avez. Attestant que vous avez gardé les choses. Ok. En tout cas, la peau ça a embourri. Ok, merci. Donc, c'était question-réponse dans la rubrique Didi Show. On a une petite pause, on a tourné tout à l'heure. Life or Death, you know, plus belle rubrique qui gagne dans Didi Show. Didi Show, de retour après la pause, mesdames, messieurs, et nous revenons à la rubrique ça qui c'est Life or Death. Life or Death, c'est une rubrique que nous présentons, invité à une série monde. Donc, demandez-moi de l'appréciation, mon ça. Yo, dans la vie, invité à donc la petite, si c'est Life or si c'est Death. Life or Death, Sarahi, Clermont Sius. Ok, ça dev. Anyway, anytime, somebody. Entre temps, on a profité et vous et condoléances à son bail famille parce que c'est une ancien fanatique Don Bosco. Quand pile monde qui te remet, monsieur. Son monde qui te vraiment aimé tout parce que il est moins jalousie de comme venir. Waouh, s'il fait mourir souvent, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Très bien, très bien. Life or Death, Dan Junior. Life or Death, Tonton Bicha. Life. Oh, pourtant, clairement, c'est Death. I don't know why. Life or Death, B.I. Citizen Diffé. Life. Life or Death, Moun qui n'en vieux Kounia. Life. Comment le relais? Non. Pour qu'ils soient dit non. Est-ce que c'est fier ou pas fier de lui ou sinon on va avoir le monde dans le monde? Non, juste pas dit. Ok, nice. Donc c'était ça, la rubrique Didi Show, Life or Death. La petite pause, la tournée tout à l'heure. Dans toute relation, nous toujours connaissons fidélité et sincérité, c'est deux éléments clés. Parce que si on a une relation ou pas fidèle, c'est un problème. Si on a une relation pas sincère, c'est un problème. En plus, le monde qu'on a parlé de fidélité, il pense que c'est seulement, les, par exemple, on a couché avec un monde qui n'est pas dans une relation, hein, c'est seulement ça, pas du tout. Ou capable toujours être fidèle face avec l'engagement que vous te prenez, soit dans une relation, soit le marié, soit le remé. Par exemple, vous capable dire moins fidèle avec vous, quelque chose s'arrive dans la vie, hein, pour le pire, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ça qu'on arrive finalement, on n'en lit pas comme si Kembe Mosa. Donc je viens de parler de fidélité et sincérité. Est-ce que existait vraiment une relation amoureuse? Et je dis à comment capable de ça, nous avons avec nous invité ça, Sarah va expliquer nous en long et en large. Et comment y a un monde fidèle, qui est un monde fidèle et qui est un monde sincère, comment un monde sincère. Et justement, là que par exemple vous passez dans une relation amoureuse, qui s'est passé, qui a un jeu qui a gagné. Donc, nous avons un très bel sujet et je dis à merci parce que Sarah va expliquer nous, ça le connaît, ça le comprend de fidélité, de sincérité. Merci encore Sarah. À vous le micro. Sans penser le sujet ça. Bon, sujet vraiment agréable. Son bon et bel sujet.
Bon, à vrai dire, bon, pour finir le terme, avec sincérité, oui, ça existe. Il existe vraiment dans une bonne relation, sincère avec tête li avant, et que il fait tête li confiance tout. Normalement, il est même fidèle à la propre tête li avant. Et après, si on est comme si on est une fille que lui vraiment aimé tout ça, il connaît comme si s'il fait ça, c'est ça qu'il n'est pas supposé normal. Normalement, il est fidélité peut-être, normalement, il est fidèle à lui-même tout. Ok, qui est mon fidèle d'après vous-même? Qui est mon fidèle? Par exemple, on a dit, moi fidèle. Est-ce que c'est à promesse moi? Est-ce que c'est avec mon monde? Antikon, nous avons un sujet ça et nous centrons nous spécialement dans la phase ça, qui c'est dans la relation amoureuse. D'après vous-même, qui est mon fidèle dans la relation? Bon, avec Dieu, mon fidèle dans la relation, c'est comme si. Vous devez accepter avec engagement. Yo. Normalement. Et action que vous faites, normalement, qui montre que vous êtes plus fidèle normalement. Ok, d'après vous-même, est-ce que ça arrive déjà ou fidèle avec ménage ou sans que. Ou pas. Causer des petits problèmes, tant que bayon mon cœur ou sinon vie bayon mon cœur, et finalement ça qu'on passe qui fait au monde capable fidèle d'après vous même qui infidèle disons d'après vous même ça qui passe à partir à moi même moi infidèle parce que ça qui cause ou infidèle avec ménage ou cause moi infidèle avec ménage ça qui est capable cause ménage ça qui capable c'est que s'il n'est pas avant moi l'amour moi voulé moi mérité dans ma affection tout ça tant lié. That's why, comme si on a toujours appliqué infidélité. Mais normalement, moi-même, je ne peux peut-être pas me juger, peut-être moi, que moi, si on moune, le moins avec vous, moi avec vous seul. Pas parce que comme si il y a l'autre monde qui a rentré facilement. Parce que moi, envers et moi, envers seul. Si vous faites confiance, ok. Si vous ne faites pas confiance, non. Mais si vous ne créez pas confiance, bien entendu, est-ce que tout. Là que moi infidèle ou pas sincère pour dire ménage ou moi infidèle moi fait tel bagaille est-ce que ou pas conscient pour dire ça par exemple mon côté peut-être vous boire avec un monde sans attendre est-ce que ou pas gay cœur ou sinon ou pas sincère pour dire ménage ou mais ça me fait si que ou vraiment à l'aise dans relation avec ménage ou pour faire confiance comme si nous vraiment à l'aise nous potes nous bons amis nous bon big bon bas si qui on va l'écrire normalement que ou qu'a expliqué lui. Ok, nous arrivons à la dernière ligne droite d'émission. Hein? Donc, si vous conseillez que vous apportez pour le monde qui est fidèle, qui s'attaque exactement. Que mon qui est fidèle et on vient fidèle avec eux-mêmes et envers leur partenaire. Donc, sincérité à même bagarre tout d'abord. Ouais, voilà, mon qui est fidèle, on était comme ça. Pas jamais la découvrir dans la tête, tout ça. Merci parce que tu as accepté de participer à l'émission ça. On te débat de sujets ensemble, ça fait un plaisir. Et l'émission Didi Show a toujours été ouverte, porte très grand ouvert pour vous, pour n'importe quel autre sujet qui t'a disponible. Merci parce que tu as accepté de participer à l'émission ça. Donc au revoir, on va vous retrouver pour une autre émission. Pas oublier, abonnez avec channel YouTube là et puis commenter. L'afternoon, ça a été un plaisir. On était Pétionville. Pour nous être capable de faire des belles émissions à vous. Merci Sarah. Merci à tout le monde qui a regardé nous. Merci beaucoup.